tous. Je suis ici avec Pascal chez Aqua Garden Center. Bonjour Pascal. Oui, bonjour Patrick. Alors bon, ben, ça évolue toujours bien chez toi là. Ça évolue. On a fait pas mal de travail à l'extérieur cet hiver pour aménager donc le jardin, améliorer, changer des choses et se mettre un peu au goût du jour. Alors moi, je peux vous dire une chose. Je suis toujours impressionné ici quand je viens chez toi, Pascal, par toutes les décos qui sont disponibles parce qu'il y a vraiment du choix. Hein. Ben, c'est gentil, merci. Ben, on essaye chaque année de présenter des nouvelles choses. On suit un peu la mode. Voilà, on a beaucoup cette année de choses qui tournent vers les Bouddhas, vers l'Asie, les choses comme ça. Pas mal de bronze aussi qu'on a rentré cette année. Donc voilà, chaque année ça change. Alors bien sûr, un éventail de plantes aquatiques. Là, si vous ne trouvez pas votre bonheur, je ne sais pas ce qu'il faut. Hein. Ben voilà, on essaye. On a des plantes en petits pots, en gros pots, des nénuphars de collection. On a aussi tout un petit assortiment de plantes exotiques, donc des papyrus, des lotus, des nymphées à bleu. Donc des plantes qui sont plutôt à rentrer en hiver ou à protéger, mais voilà, des plantes qu'on ne trouve pas partout en tout cas. Il faut rappeler quand même, y a bien sûr Aqua Garden Center et le baliste. Oui. Alors le baliste, grand spécialiste en aquariophilie, mais Aqua Garden aussi. Oui, tout à fait. Donc ici, on a commencé donc, avec une grande partie aquariophilie, puis l'étang s'est développé après. Donc on a pas mal de poissons marins, de poissons d'eau douce. Donc voilà, on fête cette année nos 20 ans, donc ça fait 20 ans que le magasin existe ici à Neupré. Et le magasin de mon papa, donc, qui est au baliste à Recours, lui ça fait 30 ans, ils ont fêté leurs 30 ans l'année passée. Ah ben, ce sont des fameux anniversaires déjà ça. Oui, on a bien fêté ça, il n'y a pas de problème. En tous les cas, vous pouvez voir un petit aquarium ici très sympathique, tu sauras nous donner un petit peu les mensurations. Donc l'aquarium mesure 6 mètres de côté, donc il y a 40 mètres cubes au total, donc 40 000 litres. Ce sont des poissons exotiques, donc des poissons pour la plupart qui viennent d'Amérique du Sud. On a quelques poissons asiatiques comme le fameux Pangasius, donc qui lui peut faire 1 mètre adulte en taille. On a des raies également à l'intérieur, pas mal de poissons chats. Donc des choses voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire et qui deviennent assez grandes. Et c'est pour ça qu'on a fait l'aquarium justement. Bon, c'est pas partout qu'on peut voir un aquarium de ce type-là. Ben non, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en Belgique, en tout cas de cette dimension-là, non. À moins d'aller dans les musées océanographiques. Oui, bien sûr, aller aux eaux d'Anvers ou à l'aquarium de Liège ou des choses comme ça. Mais je pense que dans un magasin, en tout cas, ou chez un particulier, c'est pas voilà, quelque chose de courant. Il faut de la place hein, déjà pour mettre ça chez soi. Hein. Alors, au niveau matériel, évidemment, il y a une très large gamme ici, que ce soit au niveau des filtres, des pompes, tout est en stock. Oui, toutes les grandes marques qu'on trouve habituellement donc en magasin, les Mercoas, Messner, les bâches en PVC, les bâches en caoutchouc, l'assortiment vraiment complet de tout ce qui est pour réaliser les bassins et également les nourritures. Enfin voilà, on travaille plutôt avec des bonnes marques, des choses qui offrent des bonnes garanties et on a un service après-vente ici pour tout ce qui est réparation, tout ce qui est entretien des pompes. Donc voilà, on fait le suivi également, pas juste la vente. C'est important de le souligner. Oui, ben c'est aussi voilà, ce qui nous a fait connaître, c'est que voilà, on suit le client pas à pas pour la réalisation de son bassin. Alors bien sûr, si vous voulez avoir quelques idées pour réaliser votre propre bassin, bon, il y a un superbe jardin de démonstration ici. Il est magnifique, comme tu l'as dit tout à l'heure, il a été un petit peu rénové. Oui. Mais vraiment, félicitations parce que d'année en année, il se bonifie. Merci, c'est gentil. Ben oui, chaque année, il y a des petites parties qu'on réaménage. Et voilà, cette année, par exemple, on a changé tous les planchers qui font tous les chemins donc, au travers des bassins. On a fait des nouveaux bassins, ben, tu auras l'occasion de les voir, avec des parties plus modernes, donc des bassins rectilignes, etc. Donc voilà, on se met au goût du jour aussi au niveau des bassins. Alors Pascal, il y a aussi un large choix de poissons, hein, parce qu'on n'a pas encore abordé ça, je dis en dehors du poisson d'aquarium, mais c'est le poisson de bassin. Donc là, on trouve de tout, que ça passe du poisson rouge, sarasa, hyde, tout ce qu'on veut. Oui, des hydes, des tanches, on a un grand choix d'esturgeons, donc dans toutes les tailles, vraiment du petit esturgeon d'une quinzaine de centimètres jusqu'à l'esturgeon de 1 mètre de stock ici au magasin. Pas mal de koi également, donc là en petite taille on travaille pas mal avec du koi japonais, donc des tosai jusque 18-20 cm en général. Et puis alors après on passe à des koi d'Israël, donc des koi que je sélectionne moi-même en Israël, qui sont donc des koi handpick comme on appelle ça, donc ils sont choisis. Je choisis tous les poissons en début de saison ici pour présenter des poissons qui vont de 20 cm à 70-80 cm. Qui sont ici dans les bassins acclimatés, prêts à vendre. Eh bien, écoute, ce que je vous propose de faire, c'est d'aller jeter un petit coup d'œil là-dessus.
Eh bien, restez avec nous, on va aller voir ça.